Mes chers enfants, vous avez l'honneur d'être les combattants de la liberté et de la démocratie. Le combat que vous menez aujourd'hui est un combat digne. C'est un combat qui n'a pas de prix. Que vous y perdiez votre âme, votre sueur, votre sang, soyez-en sûr que vous serez des martyrs. Supportez. Vivez durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Car le succès est uniquement au bout de l'effort, et de l'effort persévérant. Que personne ne vous dise le contraire. Vous avez 1 million de fois, sur 1 million de fois, raison de vous battre. Regardez autour de vous les richesses qui vous inondent. La forêt, le sol, le sous-sol, l'eau, tout pour faire de ce pays une petite Suisse. Tout pour que les autres vous envient. Tout pour l'avenir de votre avenir, de vos enfants et arrière-petits-enfants. Tout pour ne pas aller enterrer vos rêves de grandeur sous votre cieux où vous ne serez jamais traité à votre juste valeur. Tout pour être digne et respecté par le monde. Si Yuma Mayuni Song n'a rien fait pendant une éternité au pouvoir, ce n'est pas en un an qu'il va tout changer en une baguette magique. Ouvrez les yeux. Le pays est dirigé par des bourreaux qui n'ont cessé de le torturer. Le pays pleure. Le pays saigne. Le pays crie, il va mal, très mal, il se meurt. Il y a un cavalier sur un chemin, un gant. Il le fouette davantage, avec une cravache faite de népotisme, de tribalisme, de prosélytisme, de vol, de mensonge public et de crime. Mes chers enfants, même si parfois on perd certaines batailles, mais on n'a pas du tout perdu la guerre. Eux, c'est les négriers. Nous, les esclaves. Eux, c'est les nazis. Nous, les juifs. Eux, c'est Goliath. Nous, c'est David. Mes chers enfants, je sais que vous voulez rentrer dans l'histoire. Refaire l'histoire de ce pays. Mais à une condition. Donnez-vous corps et âme pour botter l'ennemi numéro 1 qui est au pouvoir. Avec lui, le délice perpétuel est garanti. Du courage, mes enfants. Du courage et encore de la foi. Les ancêtres sont avec nous. Dieu aussi est avec nous. Thank you.